Bonjour, rebonjour à vous si vous me suivez et bienvenue sur ma chaîne YouTube CB61 pour la deuxième partie du chapitre 1. Donc on s'est quitté la dernière fois ici, donc j'ai pas bougé, hein, c'est à la suite. Ouh putain, il se passe quoi là? Oh. Please. Maman et Liam. Ah, je crois Ils qu'ils sont sont déjà déjà partis. morts. Ils nous attendent à la maison. Ouais, j'ai un doute. Putain, il me met bien en situation là dès le début de l'épisode. Bon, j'ai pas flippé parce que j'étais dans mon speech, mais c'est vrai que là, si j'étais à fond dans le jeu et tout, si je parlais pas, j'aurais peut-être eu un coup de flip. Apparemment, il y a rien ici. On fouille quand même un peu, hein. Parce que comme j'ai dit dans le premier épisode, j'ai l'impression que dans celui-là, il n'y a pas grand-chose à fouiller, il n'y a pas de commentaires sur les objets. Et c'est un peu dommage, je trouve. Pour ceux qui découvrent Resident Evil depuis 4 ou 5, enfin ouais, depuis 5 encore, peut-être qu'ils s'en foutent un peu des commentaires. Comment on sort de cet endroit? Mais ceux qui jouent depuis le début, Par le parking c'est un peu souterrain. dommage, je trouve. Donc apparemment, faut L'ascenseur est retourner en juste arrière. devant. J'espère qu'il fonctionne. Tout à l'heure il fonctionnait pas donc bien. Ou c'est peut-être pas le même endroit, je sais pas. C'est quoi les matons? Ouais, je dois y aller en premier, je pense. On va dégager le chemin. Ah oui, d'accord. Allons-y. On attend Elena. Donc ça joue pas mal à deux apparemment. Je pense que si on joue en coopération, il y a pas mal Heureusement que d'actions, vous il faut étiez attendre là. que l'autre y arrive. Elle est plutôt mal en point, sa fille. Jack, lui, il toussait comme un malade tout à l'heure. À mon avis, je sens qu'ils vont se transformer en zombies tous les deux. Tira bien, Lizzie. Tu vas t'en sortir. Papa. On y est presque. Liz. C'est le bordel. Par contre, c'était sur le joystick. Vas-y, boum. Bon bah désolé la fille, hein, mais bon, quand on est infecté, on meurt, c'est comme ça. Je n'arrive pas à y croire. Tu ferais bien de t'y faire. C'est eux ou nous. Et eux, ils hésitent pas. C'est sûr, on a vu ça. Bon, bah. Ah non, on peut pas encore sortir. Je sais pas si l'ascenseur marche toujours. Sors ton arme. Oh merde, putain. Oh, ils sont sérieux. Oh putain, j'ai plus de munitions. Ah, je suis en mode rampant. D'accord. J'ai déjà plus de munitions. Ah, il y a un flingue. Il est où? Dégage de là, toi. Oh. Putain, le monde qu'il y a là.
Ah merde, j'ai déjà plus de balles. Attendez, c'est pas... Ah oui, c'est ça, c'est ça. Allez, chope. Ça, c'est... Par contre, ça prend des points d'énergie, mais c'est ça, les endurances, ça fait ça. Ça, c'est vachement casse-cou, ce qui serait gêne, mais... Lentement, on va dire. Très lentement. Niveau combo, ils sont assez efficaces, mais voilà. Elle peut pas s'arrêter de envisager. Ça a l'air d'être la merde cette histoire. Ah, c'est marrant, ça le fait trébucher. C'est bon, c'est un petit peu plus réaliste en même temps. Ah ouais, donc, il n'a plus de munitions. Est-ce qu'il y a moyen de fouiller derrière les baignoires? Ce côté-là, j'ai l'impression qu'ils sont assez radants. Bon, après, c'est peut-être parce que je suis en mode normal. J'imagine pas le professionnel s'ils évaluent comme ça les munitions. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Quoique, on peut peut-être ouvrir, non? On peut vraiment pas interagir avec le décor. Ça, c'est vraiment un gros défaut que je lui trouve à ce Resident Evil 6. Il est au couteau, vas-y, viens par là. Il m'a même pas encore vu. Ah, c'est l'autre qui... D'accord. Il avait déjà un truc dans la poitrine, non? On voit mal, là. Ah non? Je sais pas, on dirait qu'il avait un truc. Il est pas mort. Bon, ça va, elle m'aide bien, Elena. Et je vais trouver des munitions assez rapidement. Apparemment, faut aller par là. C'est notre chance de nous tirer d'ici. Je suis bien d'accord. Ouais. Mais encore. Je suis pas trop chaud pour tous les buter là. Si c'est ça le truc. Ils viennent de par là, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ah, y a pas de munitions, y'a que dalle. C'est. Bon, c'est peut-être voulu, hein, mais non. J'espère qu'il n'y aura pas une heure de zombies pour autant, que, parce que sinon ça va être vraiment le bordel. Allons-y. Léon, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. T'as raison. Il faut qu'on se barre d'ici. Ok. Donc on peut voir que Léon est plutôt du genre à sauver tout le monde et l'autre c'est plutôt le contraire. Ouais, il vous permet de choisir vos grenades, spray. Okay. Donc je vais voir, donc j'ai un spray. C'était quoi leur nom? Wing Shooter. C'est quoi? C'est le nom du flingue, non? Je sais pas. Couteau de survie, non. Il y a peut-être des munitions ici. Ah, c'est bien ça. Dix balles. C'est pas beaucoup, mais on va faire avec, parce que là, c'est toujours mieux que le couteau tout court. Ouais. 10 balles. Faut pas les louper, celle-là. Bon, on fait une petite pause là, et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est reparti. Donc comme j'ai dit, hein, toutes les 10 minutes, là, vu que c'est à la suite, je sais pas s'il y aura de décalage de son, mais je vais faire que deux épisodes aujourd'hui, puis
Je les mettrai sur mon logiciel de montage pour voir si au bout de 20 minutes il y a de décalage. Si on n'a pas, bah j'aurai pas besoin de il faire a les parlé pauses. D'une sorte de brume. Si ça se répand sous forme de gaz, alors tous ceux qui l'ont respiré sont infectés. Ouais, bon, c'est... Les habitants du campus. Ouais. Alors pourquoi c'est si calme? Ouais, j'ai un très mauvais pressentiment. Ok, donc ouais, ça a pas changé, hein. C'est comme bah, dans Resident Evil 4, si vous en rappelez, les Ganados ont été contaminés quand ils minaient justement des fossiles de Plagas. Et les Plagas sous forme de spores arrivaient à ressusciter dans le Ganados. Donc les spores, le brouillard, la brume, c'est la même chose. Hein. Donc, de ce côté-là, on n'est pas en territoire inconnu. Donc ça va, le décor il est assez sympa, je trouve que c'est pas juste des couloirs bidons, il y a que dalle dedans. On a une petite vue sur la ville. Pas trop mal fait, ça va. Ça doit être des terrains de quelque chose, ça peut-être. Ouais, ça va. On va pas trop s'éterniser là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, c'est... comme j'ai dit, je ferai des vidéos de 20-30 minutes. Donc là, c'est déjà la deuxième partie. Je pense que j'en ferai une troisième et on s'arrêtera là-dessus. En espérant avoir des checkpoints. Et si j'ai un checkpoint, au bout de 20 minutes, je le ferai. C'est vrai que les checkpoints, vu que je connais pas du tout le jeu, je sais pas quand ils arrivent et... Je peux pas me permettre de faire des vidéos trop longues, quoi. Si je veux me tenir à ce que j'ai dit, genre une vidéo tous les 2-3 jours... Ça serait mieux pour moi, puisque bon, évidemment, je passe pas ma vie devant le PC à faire des montages, donc ça va être un peu compliqué sinon. Donc, sinon, je ferais que ça sur le PC, quoi, mais bon, j'aimerais bien faire autre chose. Oh. Salut, toi, désolé de vous déranger. Ça va, ils sont assez lents. Ils sont énergiques de près, mais ils sont assez lents à distance. Laisser Elena les... Oula, elle vise pas très bien Elena. Arma était pas mort. Ah, y'a un truc là. Ah bah si, ils disent quand même qu'il y a des choses à récupérer. C'est très petit, mais... Il y a quand même un indice. Ah, un truc bleu. Point d'habileté, d'accord. Pour obtenir des habiletés, je sais pas trop en quoi ça consiste. Est-ce que ça remplace un petit peu l'argent? Je sais pas. Comme on a pu voir, il n'y a pas d'argent comme dans le 4 et le 5. Alors que c'était un très bon moyen d'optimisation et tout, je trouve. Voilà, c'est bon, les mobs. Ils rentrent à moitié dans le décor, c'est pas mal ça. J'apprends un peu à faire leur truc. Donc ça c'est roulade. Ah oui, donc il fait une roulade et il reste à terre. Ok. Il se déplace assez rapidement, ça. Ça va. Et une roulade avant peut-être, non? Ouais, donc c'est toujours le même genre, ok. Ah, il y a un truc. Attendez, il y a rien là. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, c'est bien monté, mais ça sert à rien. Apparemment c'est... Ah, c'est pas en bas, donc il doit y avoir un petit passage, je pense. Ah oui, il y a une porte. Allons-y. Donc ça va pour l'instant, au niveau du gameplay, tout ça me plaît. Parce qu'il faut quand même que je critique un petit peu le jeu, sinon ça serait pas marrant. Au niveau du gameplay, c'est assez plaisant, mais comme j'ai dit, au niveau des décors, vu qu'il n'y a pas grand chose à faire, je trouve ça un peu dommage, quoi. Ouais. Bon, il y a un truc à l'extérieur, apparemment. Une espèce de scène où je sais pas trop, on voit pas trop. Mais ouais, comme je disais, vu qu'il n'y a aucun commentaire sur les décors, bah, ça perd un petit peu de... De l'essence même de Resident Evil, quand on prenait pas mal de temps à regarder les décors, à dire ce qu'ils nous disaient et tout. Ça donnait des indices et tout, que là c'est un petit peu. En gros, on est sur un rail, quoi. Ils disent toujours à aller, même tout ça. Il est chier, lui.
Putain, crève. C'est bon. J'ai bien fait d'attendre, il y avait des choses à me donner. Donc oui, monsieur m'a coupé la parole, du coup je ne sais plus ce que j'ai fait. Oula, elle a pas la tête dure. Hein. Ah ouais, par contre, il y a les caisses que j'ai pas fait attention, apparemment il y a moyen de les péter. Non ? Bah je sais pas, ou peut-être en tuant j'ai des trucs d'habileté. Si ça se trouve, le décor est cassable et je vais m'en rendre compte que 10 ans après, donc je préfère essayer quand même. Oh, apparemment, il n'y a rien. Ah, donc on peut se mettre à couvert aussi. Ah, là, il y a plein de caisses. Non. Ouais, il n'y a rien à péter, apparemment. C'est pas que dans les hôtels. Ah, il y a des munitions, là. On va remettre ça là, comme ça. 25 munitions en plus. Et je crois qu'il y en a... On a combien dans le chargeur? Je crois que c'est 18 ou un truc comme ça, il me semble. On va voir ça. Ah là, c'est 43. 43 moins 25. Ouais, c'est ça. Oh. Il était pas mort. Hein. Il donne rien, non? Apparemment, ils se mettent toujours à convulser et puis ils disparaissent. Je pense que c'est pour éviter de gérer les cadavres de zombies en plus. Hein. Ça fera un peu laguer, je pense. Enfin, j'imagine. Oh, lui, je pense pas qu'il soit mort. En plus, il bouge. On va devoir le buter. Non, il est vraiment mort, celui-là. Ouais, je trouve ça bizarre. Hein. C'est un piège, ça, non? On va prendre une canette, ce serait sympa ça. Donc, toujours la photo du président Adam Benford, il s'appelle. Donc c'est le même président apparemment qui est dans Resident Evil 4. Dans le 5, il ne mentionne pas. Donc, il reste des moi, je pense que c'est le même. Il doit cumuler les mandats parce que sinon il y aura un petit problème. Parce que je crois 2004, ça se... bah, je viens de dire la date. Resident Evil 4 se passe en 2004, donc... Ça serait... Ouais, je pense qu'il cumule les mangas, quoi, ça. Les mangas. Les mandats, pardon. Ah, il y en a un autre. Putain, j'ai pas vu. Pas de dégage, là. Il y a un bug de caméra, moi, tiens. Putain, non. Ah, ils sont casse-couilles! Et j'ai déjà plus d'une en plus. Pas fait attention. Voilà. Pas que je fasse le coup. Putain, c'est chaud là, je. On a du mal à voir les cadavres donc du coup, on a l'impression qu'il y a personne, mais en fait, non. Il y a plein de monde. Y a rien à prendre, je pense, comme d'habitude. Pour l'instant, je chouille, mais je crois que dans la suite du jeu, après, je me ferai pas chier à regarder le décor, parce que j'ai vraiment l'impression que là, il y a du monde. On va d'abord aller là, il y a peut-être des choses à prendre. Où j'en viens, non? Non, j'en viens pas d'ici, je crois pas. Il y avait ce genre de salle, mais c'était pas si grand. Putain. Les gars. Hop. Putain, ils ont des sacrés allonges quand même, les gars. Oh, pas mal ça. Il y a des munitions. Ah, il y a même des grenades. C'est quoi comme grenade? Ouais, grenade incendiaire, rouge, normal. Les armes, voilà. Donc, sinon, ouais, niveau sélection d'inventaire, ça va, c'est. L'idée est pas mal, je dirais. Après, je sais pas s'il y a d'autres jeux qui proposent la même chose, donc j'imagine que oui, parce que en général... Encore, les anciennes générations, il y avait des trucs novateurs, mais maintenant, je veux dire... Mais ils se copient pas forcément entre eux, hein, c'est pas forcément ce que je veux dire, mais...
Chaque développeur, en général, à force, c'est toujours la même chose. Que les jeux à la troisième personne, maintenant, c'est toujours le même genre de gameplay. Donc... Ah, ça fait une belle tête, ça leur suffit, genre. Je sais pas si avec les points d'habilité qu'elles appellent ça, on pourra améliorer la puissance de l'arme. Voilà, ça a l'air d'être bon. On va recharger. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, y a rien. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut sauvegarder comme ça? Je vais regarder. Quitter toute progression. Ouais, évidemment, super. Ouais. Afficher les stats. Ah, équiper les habilités, on va voir ce que c'est. Bah, apparemment, il n'y a rien, je crois. Faut aller direct dans le menu, il faut quitter le scénario actuel. Et... Donc on va rester là en attendant, c'est pas grave. Ah, il y a un checkpoint. Oula, il y a du monde. La grille de sécurité vous mènera hors du campus. Bah, ce qu'on va faire, là, on est déjà à 11 minutes 35, donc déjà, je vais couper. Et on va essayer d'aller à la grille de sécurité avant de se quitter, quand même. Donc, à tout de suite. Ce que je vais faire, parce que j'ai réfléchi un petit peu entre deux, et j'ai du mal à tenir mes engagements de 20-30 minutes, donc là, ce sera la dernière vidéo un petit peu longue. Mais après, j'essaierai de couper dès que j'atteins les 20 minutes. Si je joue un checkpoint, je m'arrête. J'ai fonctionné comme ça, parce qu'on peut pas enregistrer automatique, apparemment. Puis j'ai pas envie de faire des allers-retours, parce que je compte sur taper toujours la même scène. Elle tire sur quoi une... La luminosité au max, mais... Même au max, vous voyez, c'est très sombre. Je sais pas ce que ça donnera sur YouTube, mais... Là, les ennemis, il faut quand même se rapprocher pour voir quelque chose. Voilà, il y a des munitions. C'est parfait. Y a rien d'autre. Donc apparemment, on est dans le campus, mais il devait y avoir une fête, vu les guirlandes et tout. C'était peut-être Noël, je sais pas. On sait pas en quelle période on est de l'année. Mais... Samedi ou passé. J'utilise ça parce que je sais pas samedi où il y a des objets aussi, ce truc là. Apparemment là il y a rien. Oh. Il y a des... Ah oui voilà, il y avait bien des bruitages de zombies. Ils sont quand même très résistants. Je sais pas ce que ça donnera quand il y aura des gros assauts, mais... Voilà quoi. Je crois qu'il y en a encore par là, non? Bien reçu. Mais elle est pas là, la Reste grille. Bien sur tes gardes. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Compris. Bon, ouais, on va continuer, mais... Oh, vu les munitions là, en général dans les RE quand il y a pas mal de munitions, ouais. Attendez, les herbes on les, oh, je sais plus comment on fait. Ils avaient expliqué, ah oui voilà c'est ça. Alors ça c'est l'inventaire, donc il y a rien, donc herbe verte, ok. Alors, combiné, ça c'est équipé, jeté, ok. Combiné avec ça. Donc ça fait une verte plus verte. Et normalement, quand on met 3 vertes dans les OTRE, ça soigne entièrement la vie. Donc ouais, donc je pense que ça sera pareil. On peut même pas l'examiner, voir à quoi ça ressemble. Ok. Équipé, non, il n'y a même pas examiné, ça c'est un peu chiant. Mais... Il y a pas mal de choses qui ont disparu par rapport aux OTRE. On parle du 5, on dit qu'il est très différent, mais vraiment c'est le dernier à avoir des commentaires sur les environnements et compagnie. Donc... Hop, 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 il va se passer quoi là? Hannigan, c'est fermé!
On est coincé. J'y travaille, ce sera pas long. Oh non, oh le con. Sauf si je casse pas la vitre. Est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer vraiment? Oh putain, y'a du monde. Il y en a trop. On les aura pas tous. Au moins on sait où tous les zombies se cachent. Putain, là j'enchaîne les combos, mais j'appuie à fond sur R1, je vois pas trop ce qui se passe. Ah mais un autre mec là. Eh mais il crève pas là. C'est un système très perfectionné pour un campus. Ouais ça va, on y arrive. Il y a pas mal de monde, mais j'y arrive. Oh merde, il y a plus de munitions. C'est quand tu veux, Anigan. Fais nous sortir de là. J'y suis presque. Courage. On va récupérer un peu ce qu'il y a au sol, parce que là... C'est ouvert. Voilà. Sortez de là, vite. Oh, ils sont sérieux. Ah non, c'est bon. Ah mais c'est con, moi je voulais ramasser les choses par terre. Pas de surprise en surprise ici. Eh bah ben, non, il se passe pas mal de choses. Bon, ce que je vous propose, c'est que là on a déjà bien avancé, il y a un checkpoint, la vidéo est déjà assez longue par rapport à ce que j'avais annoncé de base. Lui, ça m'étonnerait qu'il dorme, mais bon. Donc on va s'arrêter là, donc j'espère que cet épisode, enfin ce deuxième épisode vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter, comme d'habitude. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Alors la prochaine, je vous le dis tout de suite, enfin... Je l'assure pas, mais je pense pas qu'elle sera sur Resident Evil 6. Parce que moi, je vais peut-être continuer d'y jouer, là, je vais voir. Mais je ferai peut-être une vidéo sur Uncharted. Je préfère vous le dire tout de suite, comme ça, vous êtes prévenus. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à bientôt pour une nouvelle vidéo.